Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain pour une morning routine skincare. Ouais, comme diraient les Américains, les morning skincare routine. Voilà, je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo comme ça, une morning routine skincare, en août 2023. Du coup, ça fait plus d'un an que j'en avais fait une. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dans ma morning routine, mais pas grand chose, voilà. Du coup, une chose qui n'a pas changé du tout, le brossage des dents, évidemment, cela va de soi. Une morning routine ne serait rien sans un brossage de dents. C'est la base de toutes les bases. Oral-B, c'est parti. Et ça, je vais vous le mettre en accéléré parce que brossage dedans, c'est fini. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo de 2023, pour me nettoyer le visage, j'utilisais ceci. Donc, c'était cette mousse qui ressemble à de la crème fraîche, ouais, comme j'avais dit dans ma vidéo. Du coup, nouvelle trouvaille chez Action, j'ai trouvé la même en verte. C'est à l'aloe vera. C'est exactement la même texture de mousse et tout. À part que c'est à l'aloe vera. Ouais, il fait écrit c'est 96% d'origine naturelle. C'est vegan. Dermatologically tested. No microplastique, donc il n'y a pas de plastique dedans. Et c'est une bouteille recyclable, évidemment. Donc du coup, c'est parti, on va se nettoyer le visage. Pour ceux qui ont vu la vidéo de 2023, vous verrez que la façon de me nettoyer le visage n'a pas changé. C'est aussi barbare qu'avant. C'est parti! Au secours. Ah, voilà. Ok, ça c'est fait. Pour essuyer tout ça. Alors, ensuite, pour mon visage, j'utilise pour l'instant, en plus de ça, j'utilise le nettoyant désincrustant anti-point noir de chez Yves Rocher. Parce que pour l'instant, voilà, j'ai attrapé des boutons, c'est un désincrustant point noir, mais aussi bouton, peau à imperfection. Du coup, j'utilise ça en plus de...
ça en plus de ça du coup. Ça c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Bref, c'est parti. Ah, et ça c'est un comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon voilà. Et alors il y a des micros, on sent des micro trucs à l'intérieur. On sent que c'est pour désincruster quoi. Il y a des petits cristaux, je vais dire, je sais pas. Parce que je supporte pas les boutons. J'aime pas quand j'ai des boutons. Du coup, quand j'ai des boutons, je fais toujours tout pour m'en débarrasser. Hop, c'est parti pour rincer. Après ça, la peau, elle est toute douce. Voilà, c'est parti. Et une fois que mon visage est sèche, ce que je fais, je mets ma crème habituelle. C'est celle de Action qui est notée à 100 sur 100 sur Yuka. Donc si jamais vous voulez une très très bonne crème pour votre visage, qui n'est pas nocive, qui est très très bonne, je vous conseille celle-là de chez Action. Donc c'est la Battery Calcaire. Voilà, donc vous allez le reconnaître, c'est ce pot-là, vert et blanc. Et si vous avez l'application Yuka, scannez-le. Vous scannez la boîte parce que c'est dans une boîte de base que j'ai achetée évidemment. Et du coup, vous scannez le code barre et vous allez voir, c'est 100 sur 100 et c'est une crème incroyable. Il n'y a que des bons trucs à l'intérieur. Si vous voulez, je vous mettrai une photo, une capture d'écran de mon Yuka à moi et vous verrez qu'elle est super. On va super longtemps avec ça en fait. En plus. Et c'est moins de 3 euros. 3 euros pour du 100 sur 100, je dis oui, hein, clairement. Voilà. Ainsi, tout est très très bon. Il n'y a rien de mauvais dans cette crème. Quand vous mettez de la crème sur votre front, bien monter comme ça pour éviter les rides. Parce que ça, c'est un truc que j'ai pas envie, j'ai toujours peur. Je sais que ça va m'arriver, mais le plus tard possible, s'il vous plaît. Bref, ça c'est... Et voilà. Ensuite... Plus qu'une étape et ce sera bon. Mon mascara, évidemment. Alors, c'est pas le mascara que j'utilise tous les jours, mais l'autre il est en bas et j'ai pas envie de descendre, donc ce sera celui-là. Bon, attendez, vous voyez bien le avant. Ok, j'arrive. Et voilà le après, parce que moi quand je mets pas de ricils, j'ai toujours des yeux hyper fatigués. Oh mince, en parlant de yeux fatigués, j'ai oublié un truc. Oh, merde, c'est vrai ça, j'utilise tous les jours en plus. Comment j'ai pu oublier, je ne sais pas. Voilà, en dernier lieu du coup, le lifting végétal anti-poche de chez Yves Rocher toujours. Voilà, il est super. Parce que voilà, j'aime pas avoir des poches sous les yeux. Mais j'en ai tout le temps, c'est chiant. Du coup, voilà, il faut pas en mettre trop non plus. Toujours bien étalé avec l'annulaire parce que c'est le doigt le plus, le moins fort de la main. Et vu que c'est une zone
de l'œil très sensible, vaut mieux utiliser le doigt le plus léger pour pas appuyer trop parce que c'est pas très bon. Voilà, maintenant plus qu'à faire les cheveux. Hop, voilà, plus qu'à faire mes cheveux. Une queue basique, c'est bon. Donc je mets mes cheveux comme ça en arrière. Habituellement, par exemple, quand c'est le week-end ou quand je suis en vacances ou quoi, je sais pas qu'une queue, ça m'arrive de faire des tresses ou me laisser les cheveux pendre en les lissant. Ou des boucles. Mais bon, quand je travaille, rien de tel qu'une queue parce que sinon mes cheveux me dérangent. J'ai les cheveux dans les yeux et c'est pas le but non plus. J'ai envie d'être à l'aise pour travailler. Là. Et voilà. Donc bah, c'est parti hein, pour ma journée de boulot. Voilà. Plus qu'à ranger toutes mes affaires dans mon meuble. Et voilà. Il y a une vidéo qui va arriver aussi où je range mon meuble de salle de bain pour la seconde fois. Première vidéo a été faite il y a 6 mois, du coup je recommence parce que en 6 mois de temps, vous vous rendez bien compte que le bordel est revenu. Voilà, j'espère que ma vidéo skincare vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!